Cette pièce d'étoffe, d'1,10 m de large, 4,36 m de long, vous la voyez ici en grandeur réelle, cette pièce d'étoffe pose l'un des problèmes les plus lourds de conséquences de toute l'histoire de l'humanité. Car il s'agit de ce qu'on appelle traditionnellement le suaire de Turin. Autrement dit, le linceul que l'on nous propose comme ayant été celui enveloppant le corps de Jésus-Christ. Alors évidemment, problème lourd de conséquences si l'on est chrétien, lourd de conséquences si l'on est croyant, mais j'estime que même un non-chrétien, même un non-croyant, est fondé à s'intéresser au suaire de Turin, parce que si l'on nous proposait demain un linceul dont on nous dirait qu'on a des raisons de penser que c'est celui de Mahomet ou celui du Bouddha, eh bien nous aurions le même intérêt que d'autres pour ce linceul. C'est un intérêt historique. Vous savez que parce que les journaux en ont parlé, parce que la télévision en a parlé. En 1978, pour la première fois, une équipe, surtout américaine, a soumis le linceul de Turin à toutes les expertises que l'on peut envisager aujourd'hui. Il a fallu 3 ans pour que ces expertises soient connues et enfin le rapport est parvenu en Europe il y a quelques temps. C'est à partir de ce rapport que j'ai conçu l'émission que vous allez voir. Alors j'ai dit toutes les expertises. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y en a celle par le carbone 14. Vous savez ce que c'est que le carbone 14 ? On brûle un morceau d'un objet et la réaction qui se produit permet de le dater pour un objet qui aurait 2000 ans à quelques années près. On ne l'a pas fait pour une raison bien simple, c'est qu'en 1978, il fallait découper un carré d'étoffe de 30 cm de côté. C'est beaucoup. Et on comprend que ceux qui détiennent le suaire de Turin aient hésité. 30 cm, si c'est vraiment le linceul de Jésus, nous hésiterions nous-mêmes. Mais la science va très vite. Aujourd'hui, il faut découper seulement un carré de la grandeur d'un timbre-poste. Alors on va pouvoir faire l'expérience et le dossier sera complet, mais il est déjà presque complet. Ce dossier, je vous le propose, ce sera le film que je vous invite à regarder avec moi. Linceul, c'est dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin qu'il est conservé, il Duomo, comme on dit là-bas. Cette cathédrale, construite au XVe siècle, mais flanquée au XVIIe par une chapelle. Et disons-le, c'est cette chapelle qui nous intéresse, parce que c'est dans cette chapelle qu'est conservé le linceul. C'est pour le linceul qu'on a construit cette chapelle. Alors on entre dans la cathédrale, on admire, et on trouve un peu plus loin un escalier que l'on gravit pour pénétrer dans la chapelle qui n'est pas de niveau avec la cathédrale. Et là, dans la chapelle, l'autel. Et les grilles. Et au centre de ces grilles, le reliquaire, ce coffre recouvert extérieurement en argent, à l'intérieur en amiante, qui contient le linceul, roulé sur un manche en velours rouge, lui-même entouré de soie rouge. Ce linceul, qu'en 1978, enfin, l'on a pu expertiser. Oui, c'est en 1978 que tout s'est décidé. Il y avait 4 siècles exactement que le linceul était arrivé à Turin. Il y est depuis, il n'est parti de Turin que pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, mais il a toujours été à Turin depuis 4 siècles. Alors on a voulu célébrer cet anniversaire, on a annoncé l'exposition publique. Et là, du 27 août au 8 octobre 1978, 3 millions de gens
ont défilé dans la cathédrale. Oui, c'est dans la cathédrale qu'on l'avait transporté. On l'avait installé devant le maître-autel. On l'avait enfermé dans un cadre d'acier recouvert par un cristal à l'épreuve des balles. Hélas, il y a beaucoup de terrorisme en Italie. Et 3 millions de gens, pendant tous ces jours, toutes ces semaines, ont défilé devant ce linceul. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en approchant? Ils ont vu cette forme étrange sur cette longue pièce de tissu, ces deux corps en apparence qu'on aperçoit. Mais ça ne sont pas deux corps, c'est le même corps. C'est-à-dire c'est la face et c'est le dos. Et ces deux corps ont la tête opposée, mais c'est la même tête, tête beige, car ce linceul, en fait, prenant le corps par le dessous, a été replié sur la tête et l'a recouvert par la face, comme le montre d'ailleurs une quantité de peintres et de miniaturistes à travers les temps, afin que nous comprenions mieux. Et alors ces 3 millions de gens qui s'approchaient, voyez en plus des empreintes de ce corps, des empreintes assez vagues, assez peu distinctes, il faut le dire, des taches rouges qui parsemaient ce tissu, cette pièce de tissu. Et traditionnellement, on dit que c'est du sang. Et traditionnellement, on dit que c'est le sang de Jésus-Christ. Et 3 millions de gens se sont posé la question, mais est-ce que c'est du sang? Et justement, cette question... Le 8 octobre 1978, on allait pouvoir se la poser parce que c'est le 8 octobre qu'allaient commencer ces expertises que l'on attendait depuis tant d'années. Il y avait des années que les historiens, les journalistes, les savants réclamaient, écrivaient, mais quand enfin livrera-t-on le suaire de Turin à la science? Eh bien, cet effet, il avait fallu très longtemps, beaucoup d'interventions, beaucoup de démarches, mais maintenant, ça y est. Et ce soir-là, 8 octobre, on a transporté le suaire avec des soins infinis depuis la cathédrale jusqu'au palais royal voisin. Et là, on l'a installé dans le salon rouge. Salon Renaissance, des dorures, un lustre surchargé. Mais quel contraste, parce que là, dans ce salon Renaissance, voici au milieu une table montée sur un axe, une table en aluminium. Fabriqué en Amérique, car tout ce matériel qui vient d'être porté au palais royal vient d'Amérique. 6 tonnes de matériel, 72 caisses, beaucoup de matériel de la NASA. Et à 22 heures, on introduit les parmi eux 33 Américains. Oui, ce sont eux qui ont obtenu l'expertise. Ils sont tous membres d'un groupe créé en Amérique, le STURP, Out of Turin Research Project, projet de recherche pour le suaire de Turin. Ils sont de toute discipline, de toute origine, scientifique éminent. Et il y a des mois qu'ils préparent leur affaire. Ils la préparent minutieusement. Et le moment est venu où ils vont pouvoir s'approcher. Et justement, ils s'approchent. Ils s'approchent et les premiers d'entre eux touchent le linceul. Et ils s'aperçoivent que d'abord que l'étoffe est dans un état de conservation extraordinaire, mais surtout qu'elle est d'une douceur infinie, d'une finesse sans égale. Et ils le diront tous, tous qui sont d'ailleurs de toutes origines. Il y a là des chrétiens, mais de toutes confessions, des baptistes, des luthériens, des calvinistes, des catholiques romains, des mormons, mais aussi des juifs, mais aussi des agnostiques, des gens qui... Et c'est très bien pour nous, parce que c'est une garantie. Alors, l'expertise va commencer, et le premier qui s'avance est un Italien, parce qu'il y a aussi des Italiens, il y a aussi des gens d'autres pays, des Français notamment. Oui, le premier qui s'avance est un Italien. Et voilà que nous sommes dans la salle de passage parmi les deux ailes du Palais Royal de Turin, qui s'appelle encore aujourd'hui bibliothèque, parce qu'une fois, il y avait ici la bibliothèque du palais. Le soir des examens, on avait habillé la selle avec des drapeaux noirs
pour éviter la poussière et aussi pour raison de respect. Et on a porté le linceul ici. On l'a mis sur une table mouvable qui pouvait être horizontale ou verticale. D'abord, le professeur Frey a appliqué ses rubans et a pris les poussières pour ses examens. Après, on m'a consenté de prélever 12 fils de certaines parties, qui sont les fils sur lesquels j'ai fait mes essais. Après encore, les Américains ont fait leur épreuve, qui sont durées plusieurs jours. Il y avait une quantité de caisses d'appareils dans les salles avant et dans les salles après à la bibliothèque. Je me rappelle d'un épisode très émouvant. La première soir, la nuit tard, on était fatigués et on s'est assis en bas. On voyait la partie postérieure de l'homme de linceul, la figure. Et pour un moment, avec une lumière très sombre, on a eu l'illusion optique de voir la partie postérieure d'un cadavre mis sur le linceul. 120 heures, ils vont travailler 120 heures, sans discontinuer, sans relâche. Manger, ils n'y pensent pas, on leur apporte de la nourriture, ils l'absorbent. Et ils ne pensent à aller se coucher que lorsque vraiment ils ne tiennent plus debout. Oui, 120 heures, et le 14 octobre, à midi, c'est fini. L'expertise est close. Alors ils repartent pour les États-Unis, les gens du STARP, avec leurs caisses, avec leurs 6 tonnes de matériel, mais enrichis de tout ce qu'ils ont prélevé sur le linceul, enrichis de leurs photos, enrichis de leurs examens au rayon X, enrichis de leurs examens aux ultraviolets, enrichis de tout ce qu'ils ont fait pendant ces 120 heures. Et ils sont décidés à pouvoir répondre à la question, ce linceul peut-il être vrai? Ce linceul est-il authentique? Alors, pour qu'il soit authentique, il faudrait tout de même que nous nous posions une autre question. Il est là à Turin, nous savons même qu'il est là depuis 1578. Mais d'où est-il venu? Quelle est l'origine de ce suaire? Est-ce que les évangiles nous parlent de ce suaire? Mais oui, oui, les évangiles nous en parlent. Et même avec un luxe extrêmement détaillé. Nous savons, par exemple, par les évangiles, que dès l'après-midi du jour où on va mettre Jésus en croix, Joseph d'Arimathie est allé acheter un linceul. Nous savons toujours par les évangiles, et là, Luc, Marc, Matthieu, Jean se recoupent, que les femmes, au soir du Vendredi Saint, ont pris un linceul. Et même un autre texte de l'Évangile nous dit un linceul propre. Et j'aime bien ce genre de détails, parce que ça sonne juste. Ils ont pris donc ce linceul pour envelopper dans son tombeau Jésus. Mais voilà, c'est que ce soir-là, c'était le vendredi, et le soir était tombé. Et le soir du vendredi, c'est déjà le sabbat. C'est la sévérité des prescriptions juives, en l'occurrence, on ne peut rien faire pendant le sabbat. Alors il n'est pas question que ces femmes lavent le corps de Jésus, il n'est pas question qu'elles le nettoient, on le met tel qu'on l'a descendu de la croix dans son linceul. Et puis c'est le samedi, le sabbat, on ne fait rien. Et puis le dimanche matin, les femmes vont au tombeau et ces femmes sont inquiètes parce qu'on a roulé une grosse pierre pour fermer ce tombeau. Comment vont-elles déplacer la pierre? Et quand elles arrivent, elles sont étonnées, la pierre n'y est plus. Et elles s'avancent, et Jésus n'y est plus. Mais là, par terre, sur le sol, il y a le linceul. C'est dans l'Évangile. Partent, elles vont voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, qui sont en train de pleurer Jésus, leur maître. Et Pierre et Jean disent, mais enfin quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on lit dans l'Évangile qu'ils disent, ces femmes délirent. Et c'est très clair, on voit très bien le climat, alors elles insistent, mais venez. Et ils y vont. Et c'est Pierre le premier qui avance la tête
dans le tombeau. Il dit, et là il voit les linges, et plié dans un coin le suaire qui avait été sur la tête de Jésus. Et Jean, à son tour, arrive et voit aussi le suaire, et Jean dit de lui-même, alors il vit et il crut. Alors évidemment, il y a une distinction. Pourquoi nous parle-t-on d'un suaire et de linge? Il faut savoir que le suaire enveloppait totalement le corps, mais que les Juifs avaient coutume de fermer ce suaire à la hauteur du cou et à la hauteur des chevilles. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, très précisément. L'étude géométrique du suaire a démontré que beaucoup d'empreintes ne sont pas reconnaissables anatomiquement, c'est-à-dire elles sont faussées par des plis, par des rebords du linceul. Le corps n'a pas été enroulé dans le linceul, mais le linceul a été posé légèrement. Nous pouvons voir les approchements aux pieds, aux mains, à la poitrine et au visage. Il s'agit de marques qui ont provoqué des allongements linéaires de l'empreinte. Ils ne sont pas reconnaissables. Voilà. Ce que nous venons de voir est très simple. Cela a été fait en quelques instants par quelqu'un qui se trouvait près du tombeau de Jésus. Nous pensons à la mère de Jésus, puisqu'il s'agit de soins maternels. Ces marques ont été provoquées par la blessure du cœur, des pieds, des mains, et aussi il y a eu un pli qui a été fait sur le visage pour pouvoir donner un dernier baiser au cadavre. Voilà la reconstruction géométrique du suaire, et la taille de Jésus à cause de ses plis est très allongée. L'empreinte est plus accentuée par le fait que le corps a un poids volumétrique et les blessures ont provoqué, dans la position de projection linéaire, ont provoqué un allongement longitudinal et latéral. Voilà en quelques mots l'explication. Il vit et il crut, a dit l'apôtre Jean. Et à partir de ce mot, on conçoit très exactement l'importance que les premiers disciples de Jésus ont dû attribuer à ce linceul, à ce suaire qu'ils viennent de retrouver là dans le tombeau. Alors on le cache, ce suaire. Septième siècle, mais justement au septième siècle, en 631, pour la première fois, nous avons un texte. Saint Brolion écrit que ce suaire existe et qu'il ne faut pas trouver incrédule ceux qui le croient authentique, quoique l'Écriture ne dise pas qu'on l'ait gardé. Mais si on en parle, c'est qu'il existe. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, l'évêque Arculf, qui vient en pèlerinage à Jérusalem, on commence à ce moment-là à effectuer de grands pèlerinages vers Jérusalem, eh bien il le voit, ce suaire. Et puis nous avons d'autres témoignages. Saint Jean d'Amasène, et puis Bède le Vénérable, tous ces gens parlent du suaire qui est à Jérusalem. Et puis on le perd de vue. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que à une période antérieure à 1204, le linceul est à Constantinople. On le montre chaque vendredi après-midi dans l'église Sainte-Marie des Blachernes, et d'ailleurs un chevalier, Picard, qui le voit, nous dit que chaque vendredi, on le dresse tout droit. Le visage de notre Seigneur est la trace de ses cinq plaies. C'est donc bien le linceul tel que nous le connaissons à Turin. Ce que nous savons également, la présence du linceul à Constantinople va être à l'origine de la vision traditionnelle du visage du Christ que nous aurons désormais partout dans le monde. Parce que c'est à partir de l'image que l'on voit sur le suaire que d'abord les auteurs d'icônes et puis ensuite les peintres
vont à travers les temps reprendre cette forme de visage et nous n'avons qu'à superposer le suaire, l'image du suaire telle qu'on la voit à Constantinople, à toutes ces images qui apparaissent et nous nous apercevons que c'est de là que vient l'image du Christ avec ses longs cheveux, c'est de là que viennent les moustaches et la barbe. C'est donc du suaire que naît l'iconographie chrétienne. Et c'est important comme jalon de l'histoire du suaire. Oui, 1204, c'est une croisade, la quatrième croisade. Et elle tourne mal, cette croisade. Elle est livrée au sac des croisés, elle est pillée. C'est incroyable entre chrétiens, mais c'est ainsi. Et le chevalier Picard, dont j'ai nous écrit qu'il éprouve grande peine à savoir que dans ce pillage, dans ce sac de la ville byzantine, le suaire de notre Seigneur a disparu. Il disparaît. 1204. Mais alors il se passe une chose curieuse. 4 ans plus tard, donc 1208, un seigneur bourguignon qui s'appelle Ponce de la Roche vient apporter en grande pompe à la cathédrale de Besançon un linceul qu'il présente comme le linceul de Jésus. On le reçoit, il sera désormais exposé, vénéré dans la cathédrale de Besançon, on le comprend facilement. Un détail, ce Ponce de la Roche a un fils, et ce fils s'appelle Othon, Othon de la Roche. Et vous ne serez peut-être pas peu étonné d'apprendre que Othon de la Roche a été l'un des chefs de l'armée bourguignonne qui a été présente au sac de Constantinople. Alors, est-ce que comme moi, vous ne voyez pas un rapport de cause à effet? Je sais bien, on a échafaudé d'autres théories, mais pour moi, c'est celle-là qui compte. C'est Othon de la Roche qui s'est emparé du linceul à Constantinople. C'est Othon de la Roche qui l'a gardé de côté, c'était plus prudent pendant 4 ans, et qui enfin l'a donné à son père pour que ce soit à la cathédrale de Besançon. On va vénérer le linceul de Besançon jusqu'en 1349, et puis la catastrophe, la cathédrale brûle. Et voilà que le suaire a disparu. Où est-il? Est-ce qu'il a brûlé en même temps que la cathédrale? Eh bien non, parce que très peu d'années plus tard, très exactement en 1353, un certain Geoffroy de Charny apporte un linceul qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Besançon et il l'apporte à la collégiale de Liray, près de Troyes. Alors, de qui Geoffroy de Charny a-t-il tenu le linceul? Il est probablement envisageable qu'un homme, à la faveur de l'incendie, s'est emparé du linceul. Est-ce qu'il l'a donné? Est-ce qu'il l'a vendu à Geoffroy de Charny? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu un intermédiaire? On ne le sait pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que Geoffroy de Charny apporte ce linceul à la collégiale de Liray, près de Troyes. Et là, pendant un siècle, des foules considérables vont se porter vers la cathédrale de Liray, ce qui va susciter la colère de l'évêque de Troyes, d'abord Henri de Poitiers, ensuite Pierre d'Arcy, parce que les reliques que contient la cathédrale de Troyes n'ont plus de succès du tout, on ne vient plus les voir, tout le monde s'en va à Liray pour voir le Saint-Suaire. Ce qui fait que Marguerite de Charny, héritière de Geoffroy de Charny, va retirer au bout d'un siècle sa relique et va la porter à Marguerite de Savoie, de la famille princière de Savoie, qui va l'accueillir à Chambéry, dans une chapelle qu'on va construire pour le linceul, et désormais, le linceul devient la propriété de la famille de Savoie, cette famille de Savoie qui, au XIXe siècle, régnera sur l'Italie, dont le dernier roi a été Umberto, prince en exil, propriétaire donc de la relique aujourd'hui. Donc, voilà le linceul à Chambéry qui attire d'énormes foules de nouveau.
Et puis, nouvelle catastrophe, il y a beaucoup d'incendies à cette époque-là. On n'a pas de moyens de se protéger contre le feu. Et là, en 1532, la chapelle qui abrite le linceul brûle. Et le linceul est alors renfermé dans un coffret d'argent. Et la chaleur et les flammes sont si fortes que l'argent se met à fondre et qu'une goutte d'argent va percer le linceul qui est alors plié sur lui-même en plusieurs épaisseurs. Et on retrouvera sur l'image du linceul les traces régulières de part et d'autre de ce trou qui a été creusé par la goutte d'argent malgré les pièces en étoffe qui seront cousues 4 ans plus tard par les Clarisses de Chambéry. Et enfin, vous le savez, en 1578, le linceul est porté à Turin, où il est toujours. Le linceul de Turin n'est pas un cinquième évangile, c'est un document de l'Église, mais au large secteur du libre service de la foi, à chacun d'en juger selon les raisons. Et les papes, qu'en pensent-ils? Eh bien, ils se sont intéressés au linceul de longue date. Léon XIII a été très ému par la première photographie, le fameux positif, et il l'appelait un événement providentiel. Pie XI a travaillé longuement la question, la plume à la main, et c'est après cela qu'il s'en a parlé, peut-être plus clairement qu'aucun pape avant lui. Et puis Paul VI, qui disait en 1973, « Le visage du Christ s'y est imprimé, il nous est apparu si vrai, si profond, si humain et si divin que nous l'avons admiré et vénéré comme aucune autre image. » Et Jean-Paul II a été jusqu'à dire que c'était la relique la plus splendide de la Passion et de la Résurrection. Alors est-ce qu'après cela, un catholique est obligé d'y croire? Non. Parce que les papes ont confié là leur témoignage, personnellement je le partage parce qu'il a été bien fondé, mais c'est à chacun de nous d'en discuter sur les raisons qui ont été produites. Et je crois que cette émission les a bien présentées et elle montre à quel point le linceul est un document passionnant pour l'histoire, pour la science et pour la foi. À chacun de nous d'en juger. Au cours du XIXe siècle, pourtant, peu à peu, le renom du suaire a décliné. Nous étions dans un siècle matérialiste, scientifique, scientiste, pourrait-on dire. Alors on avait étudié les autres reliques, celles qui sont exposées un peu partout dans la création. On était arrivé à la certitude que presque toutes ces reliques étaient fausses. Et on éprouvait beaucoup de doutes à l'égard du suaire. La preuve, c'est qu'on ne le montrait plus. Il était dans sa chapelle. De temps en temps, on en trouverait les gris, mais c'était fini, les grandes foules du Moyen-Âge qui se dérangeaient, qui venaient prier devant ce suaire. En 1898, pourtant, on a décidé de le montrer. Il fallait bien le montrer de temps en temps, mais sans enthousiasme. Et la foule est venue quand même de nouveau voir ce suaire. Malgré tous les doutes exprimés, de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, peut-on dire. Et en 1898, est sorti un homme qui portait une étrange boîte en bois et avec un pied, un trépied. Cet homme-là s'appelait Segundo Pia, c'était un photographe, c'était le chevalier Pia. Et il est venu poser son appareil là devant le suaire exposé à la foule. Il a également installé deux énormes globes électriques. 1898, on savait ce que c'était que l'électricité. On a allumé ses globes et sous la lumière, il a photographié le linceul. C'était la première fois qu'on photographiait ce linceul. Alors, c'était un homme qui aimait son métier, le chevalier Pia. Il a emporté ses plaques, est allé chez lui dans son laboratoire et a tout de suite voulu développer ses plaques. Et puis est arrivé le moment où la réaction était achevée, il a pu allumer. Tout à coup, de la plaque qui sortait du bain révélateur, il avait une vraie photographie, il avait un visage, une expression, et quel visage, et quelle expression, une grandeur souveraine, une profonde souffrance. Il avait l'impression d'avoir devant lui le Christ. Et alors il ne comprenait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il a compris. En fait, l'image du suaire
l'image imprimée dans le tissu du suaire, c'est un négatif. Un négatif pris directement sur le corps. Alors, ce qu'il avait, lui, tiré, c'était un autre négatif sur sa plaque. Un négatif de négatif, ce qui était devenu un positif. Il avait l'image réelle. Et cette image réelle dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on a beaucoup parlé de la photographie, des photographies du chevalier Pillat. On a admiré, on s'est étonné, mais d'autres ont critiqué, d'autres ont violemment attaqué ce pauvre Pillat, l'ont accusé d'avoir truqué ses clichés. C'est pas possible, on ne peut pas obtenir une image pareille. Et il est mort, bien des années plus tard, toujours accusé de trucage, ce malheureux Pillat. Alors on a beaucoup épilogué, on a conçu des hypothèses, mais chacun se disait qu'il fallait vraiment disposer enfin de photographies qui seraient incritiquables. Et en 1931, profitant d'une nouvelle ostension, eh bien c'est Henriet, le chevalier Henriet, qui a eu l'autorisation de photographier à son tour. Mais alors là, avec toutes les garanties, entouré d'experts, avec un huissier, il a développé en présence des experts et des huissiers, on a contrôlé tous ses gestes. Indiscutablement, les 12 clichés pris par Henriet étaient ceux du suaire du linceul de Turin et pas autre chose. Et maintenant un savant, un homme qu'il faut saluer, le docteur Barbet, s'emparant des photos d'Henriet, va travailler sur ces photos d'Henriet et va arriver à des conclusions importantes, capitales. J'ai connu le docteur Barbet, je l'ai rencontré en 1950, il était chirurgien. Et ce chirurgien m'a dit, mais moi quand j'ai eu ces photos sous les yeux, je n'avais aucun parti pris. J'ai agi en chirurgien, en médecin, en anatomiste et je me suis dit, ben, ça doit être facile à partir de ces photos de savoir si c'est truqué, de savoir si c'est un faussaire, parce qu'un faussaire, au Moyen-Âge, ne pourrait pas imaginer ce que nous savons aujourd'hui en ce qui concerne l'anatomie. Alors je vais regarder ça dans le détail. Et il a regardé ça dans le détail. Et à partir de ce qu'il a vu, il en est arrivé à pouvoir confirmer, point par point, par le suaire, ce que nous savons d'autre part du supplice infligé à Jésus. Une première réflexion du docteur Barbet. Si c'est un faux, c'est un faux du XIIIe siècle. Mais alors il faudrait, puisque cette image du linceul est un négatif, il faudrait que le faussaire ait d'abord su ce qu'était la notion de négatif. Nous autres, nous savons ce que c'est qu'un négatif parce que nous avons tous fait de la photo. Depuis l'invention de la photo, nous sommes familiers avec la notion de négatif, mais le faussaire du XIIIe siècle, est-ce que on peut même imaginer un instant, disait le docteur Barbet, qu'il se soit dit « je vais peindre en négatif ». Et alors pourquoi peindre en négatif? Puisque l'image restera pendant des siècles très peu discernable, vague, imprécise. Alors il faudrait, disait le docteur Barbet, que ce faussaire du XIIIe siècle, non seulement conçoive le premier de toute l'histoire la notion de négatif, mais se disent, attention, l'image que je vais tracer est provisoire, elle ne prendra toute sa valeur que dans quelques siècles, après l'invention de la photographie, qui ne manquera pas d'arriver un jour. Ce faussaire-là, on voudrait bien qu'on nous le présente. Mais alors Barbet va plus loin. Il reprend toutes les étapes de la passion de Jésus, et ces étapes, il les contrôle par le linceul de Turin. « Je suis innocent du sang de ce juste, a dit Ponce Pilate. Cela vous regarde. Et le procurateur romain s'est lavé les mains, physiquement, moralement. Le prêtre Caïphe avait livré Jésus à la tourbe de la population de Jérusalem qu'il avait frappé. Il avait frappé notamment son convoi. Mais prophétise, prophétise, Nazaréen, qui t'a frappé ? Et maintenant, on va flageller Jésus. C'est la loi, parce que, avant d'être crucifié, un condamné doit être flagellé. Alors, nous savons comment s'est passée la flagellation. 39 coups pour la flagellation juive. Illimité pour la flagellation romaine. Alors, le fouet s'abattait sur le dos, sur les cuisses, creusant des sillons sanglants. Mais pour aggraver le supplice, on attachait au bout de chaque lanière
des petites boules de plomb ou bien des osselets de mouton qui déchiraient davantage la peau et les chairs. Alors le docteur Barbet s'est penché sur les photographies d'Henriet et il a lu sur ces photographies d'abord la trace des sévices pratiqués par la population, notamment un coup de bâton très probable puisque le cartilage du nez est cassé. On a dû le frapper en pleine face. Et puis on trouve très régulièrement les traces de coups de lanière. Le petit objet placé, qu'il soit en plomb ou en os, eh bien il fait des ravages et ça se voit très exactement sur le suaire. Et chose affreuse, on a 20 traces de coups. Ça n'a pas été une flagellation juive, mais romaine, illimitée. Et nous savons que 120 coups, quelquefois, ça entraînait la mort. C'est un supplice affreux. Il l'a subi. Et maintenant, Pilate, qui a tenté de le sauver, l'abandonne à son sort. Et là, la tourbe n'est pas encore satisfaite. On veut qu'il soit plus dérisoire encore, cet homme-là, dont on se moque. Et sur ce corps déjà sanglant, bien sûr, comme l'ont montré tous les peintres à travers tous les temps, si un crucifié avait dû porter sa croix, elle aurait été tellement lourde qu'il n'aurait pas pu la porter. Aucun homme au monde n'aurait pu porter cette croix entière. Non, ce que le condamné portait jusqu'au supplice, et ça la loi l'y obligeait, c'était la poutre transversale qu'on appelait le patibulum. Quant à la poutre verticale qu'on appelait le stipes, elle était toujours au lieu des exécutions. Elle ne quittait pas le lieu des exécutions. À Rome, sur l'Esquilin, on trouvait une quantité de stipes plantées à demeure parce qu'on crucifiait beaucoup en ce temps-là. Alors le voilà qui part, Jésus. Il porte. Alors quelquefois, on demandait aux condamnés de le porter sur les épaules, en travers, ou bien sur une seule épaule. Et là, il semble, et même on est sûr que c'est sur l'épaule droite, si du moins le linceul de Turin est authentique, parce que le docteur Barbet lit fort bien sur les photographies la trace d'une écorchure, d'une blessure sur l'épaule droite. Et il s'avance. 50 kilos. Oui, ce patibulum pèse 50 kilos. 50 kilos sur un corps épuisé, qui a perdu tant de sang, un corps déchiré, et les graviers de la route qui s'incrustent dans ses pieds nus, et il tombe. Trois fois. À ce point qu'on doit réquisitionner un passant pour l'aider à porter son patibulum. Et si nous lisons le suaire avec le docteur Barbet, eh bien nous découvrons aux genoux des écorchures, des blessures, et surtout au genou droit, qui correspond par conséquent au côté droit par lequel Jésus portait son patibulum. Et voilà enfin le lieu du supplice, le stipes qui est là, admeure. Oh, ce n'est pas une poutre très élevée, ce n'est pas un bois qui monte jusqu'au ciel comme l'ont montré les peintres, mais non, c'est très bas, ça n'a pas plus de 2 mètres, et c'est compréhensible, un peu plus de 2 mètres. Parce qu'il faut que l'on, simplement, que l'on dépose le condamné sur son patibulum, sur ce stipes, donc 2 mètres, un peu plus. Et on lui place les deux mains à plat, sur le patibulum. La première main d'abord, et on frappe un clou, vous savez, c'est fait très habilement, et on enfonce le clou. Une douleur atroce. Et puis l'autre main, un second clou, la même douleur. Il est encloué. Et puis maintenant, on le dresse. Et ce qui est affreux, c'est que le condamné devait céder lui-même avec ses douleurs affreuses dans ses deux mains, dans ses deux poignets. Il devait céder lui-même, parce que sans cela, les deux bourreaux auraient mis beaucoup plus de temps et le condamné devait avoir envie que ce soit fini plus vite. Et maintenant, d'un geste calculé, traditionnel, il le lève et le place sur le stipes. Et il pend uniquement par les deux mains. Alors maintenant, il s'agit de s'occuper des pieds. On en prend un que l'on pose sur le bois, aucun support. Et puis l'autre pied sur le premier pied, un clou suffit pour enclouer les deux. Savez-vous que ça n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on sait comment on meurt par crucifixion? Parce qu'à Dachau, les nazis se sont livrés à d'abominables expériences.
Ils ont pendu des condamnés par les poignets à une poutre. Et là, ils ont observé. Et ils se sont aperçus qu'au bout d'un moment, cette position cause une paralysie des muscles expirateurs du thorax. On ne peut plus expirer et on étouffe. Voilà, on meurt par asphyxie. Alors, les crucifiés, comme Jésus, eux, avaient un point d'appui que n'avaient pas les condamnés de Dachau, ils avaient les pieds. Et c'était ça l'horreur du supplice. C'est que quand ils sentaient l'asphyxie les envahir, parce qu'ils tiraient sur leurs bras, eh bien, ils se levaient en prenant appui sur la plaie des pieds. Alors, ils aspiraient, et puis alors, ils retombaient. Et c'était ça, l'alternative abominable. Il fallait prendre appui sur le pied, respirer, se laisser retomber. Et c'est seulement quand le condamné était trop faible que tout à coup, il ne pouvait plus sur ses pieds, ou bien il souffrait trop, et il se laissait aller, et alors la mort intervenait en quelques minutes. C'était ça. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il a pu parler de temps en temps à ceux qui l'entouraient. On a recueilli ses paroles. « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et puis tout à coup, à la troisième heure, tout est consommé. On crie, il meurt. Mais ensuite, eh bien, on est venu, des Romains sont venus avec une lance et lui ont enfoncé cette lance dans le côté droit. Et nous savons qu'il en est sorti du sang et de l'eau. En fait, c'était du sang noir et l'eau, c'était du liquide péricardique, du liquide qui était autour du cœur. Alors, regardons le suaire avec le docteur Barr. Et nous voyons toutes les traces de la crucifixion. Les clous des mains, les clous des pieds, la trace du coup de lance au côté. Mais attention, il faut s'attarder aux mains. Dans le suaire, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de blessure dans les paumes. Non, il n'y a rien là. En revanche, la blessure est là, au poignet. Et ça a été un argument très longtemps pour les partisans du faux. On a dit, voyez-vous, ce peintre du Moyen-Âge qui a peint ce suaire, eh bien, il ne savait même pas que c'était dans la paume qu'on avait crucifié Jésus. Oui, tout le monde en était persuadé, il n'y a pas un tableau, il n'y a pas une sculpture, tous les Christs que vous voyez dans les églises, le clou est toujours dans la paume. Alors ça a beaucoup intrigué le docteur Barbet, qui a procédé à des expériences. Et il a crucifié des cadavres, en enfonçant les clous dans la paume. Et une fois que les cadavres ont été en croix, à peine les a-t-il hissés sur leur croix, que tout à coup les mains se sont déchirées, et le cadavre s'est écroulé à terre. Les paumes, ça n'a aucune résistance, il n'y a rien, ça ne peut pas tenir le poids d'un corps. Alors c'était dans le poignet qu'on enfonçait le clou, parce que là il y a de l'os, et que c'est solide un poignet, et qu'on tient. Parce que quand Barbet a crucifié des cadavres par les poignets, ils ont parfaitement tenu sur la croix. Alors là, dit Barbet, mais dites donc, ce faussaire du Moyen-Âge, il est drôlement fort en anatomie. Nous-mêmes, au XXe siècle, nous ne le savions pas. C'est moi qui viens de le découvrir, le premier, par des expériences, que je suis le premier à... Ce faussaire savait que c'était dans les poignets qu'on crucifiait. Étonnant, non. Il y a autre chose sur le suaire, quand on le lit bien. Les mains. Eh bien, les mains, on les voit parfaitement, mais les mains n'ont pas de pouce. Il n'y a que les quatre doigts. Et là aussi, les partisans du faux répétaient, mais vous voyez bien que c'est un faux. Le faussaire a oublié le pouce. Mais ce qu'a fait Barbet, c'est que, enfonçant ses clous dans le poignet, pendant chacune de ses expériences, chaque fois que le clou pénétrait dans le poignet, eh bien, le pouce est venu s'opposer. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que Barbet s'est rendu compte qu'en traversant le poignet, le carpe, en fait, le clou vient léser le nerf médian. Et il y a un mouvement réflexe qui automatiquement oppose le pouce à l'intérieur de la main. C'est très exactement ce que reflète le suaire. C'est très exactement, dit Barbet, ce qu'un faussaire aurait été incapable d'imaginer. On est extraordinairement impressionné. Il n'y a pas de doute que les travaux de Barbet, ça l'expérience, venaient de faire un pas en avant considérable
à la connaissance scientifique du linceul de Turin. On n'en avait que plus envie d'en savoir davantage. Et alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'offensive a repris. Quand pourra-t-on examiner directement le suaire? Quand pourra-t-on procéder à des expertises directes du suaire? Et en 1969, sous la pression générale, on a autorisé la formation d'une commission qui a étudié un projet de recherche. Il faut dire qu'il n'est pas sorti grand-chose de ce projet. Mais en 1973, grande première, on va montrer le linceul à la télévision. Et à l'occasion de cette ostension télévisée, des savants ont le droit de s'approcher du suaire et de procéder à certains prélèvements. Ce sera le cas notamment d'un savant belge, le professeur Reiss, spécialiste des tissus, et d'un criminologiste helvétique, Max Frey, qui lui va procéder à des prélèvements de pollen. Écoutons d'abord le professeur Reiss. J'ai procédé à l'examen des différentes caractéristiques du tissu, c'est-à-dire les caractéristiques technologiques comme le titre, la torsion, etc. Et j'ai fait également des microscopiques des fibres, aussi bien des fibres prélevées dans le tissu principal que dans la bandelette. Et ces préparations microscopiques ont montré qu'il s'agissait de fibres humaines. Ce qui est à signaler, c'est que toutes les préparations qui ont été faites en provenance du tissu, pas de la couture, présentaient des traces de coton. Et c'est l'examen de ces fibres de coton qui a permis de déterminer une caractéristique qui est très importante pour les fibres de coton parce qu'elle permet de déterminer quelle est la nature du coton. Or, pour les fibres de coton qui ont été prélevées dans la préparation microscopique, on a trouvé 8, ce qui indique avec certitude qu'il s'agit d'un coton herbaceum. Or, le coton herbaceum est un coton qui est connu au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet examen? C'est que, au fond, il n'y a rien qui s'oppose à dire que le tissu en question provient du Moyen-Orient, mais il n'y a rien qui permet de dire qu'il s'agit en effet d'un tissu qui a 2000 ans. Et le seul fait qui n'est pas expliqué, c'est que on n'est jamais parvenu à reproduire une empreinte telle qu'elle se présente dans le linceul qui est exposé à Turin. Donc il reste de toute façon un mystère, et ce n'est que un premier pas à faire, ce serait la datation. Et on en parle sérieusement, les autorités religieuses sont un peu réticentes, mais je pense qu'on a décidé plus ou moins de procéder tout de même à une datation qui permettra de faire un pas en avant. Et maintenant, nous donnons la parole au savant helvétique Max Frey. J'ai pris le linceul sous mon microscope pour étudier la structure en réalité et la comparer avec la structure des photos. Et à cette occasion, j'ai remarqué qu'entre les fils de lin, il y avait une fine poussière. Et moi, comme criminologue, je sais que la poussière est très révélatrice du passé d'un objet. Alors j'ai demandé le permis. J'ai pris le linceul sous mon microscope pour étudier la structure en réalité et la comparer avec la structure des photos. Et à cette occasion, j'ai remarqué qu'entre les fils de lin, il y avait une fine poussière. Et moi, comme criminologue, je sais que la poussière
est très révélatrice du passé d'un objet. Alors j'ai demandé le permis d'étudier cette poussière. Et on m'a donné une réponse positive. Alors, à l'aide de bandes collantes, j'ai fait des prélèvements de la poussière que j'ai emportée en Suisse pour l'étudier sous le microscope optique d'abord. Et j'ai remarqué qu'il y avait une certaine quantité de pollen. Et j'ai essayé d'identifier ces pollens. Mais c'était un travail impossible, il me manquait le matériel de comparaison. J'ai cherché dans les herbiers, j'ai cherché dans les livres, mais il y a très peu de matériel de comparaison. J'étais obligé de me rendre dans tous les pays où le linceul avait séjourné s'il était authentique. Alors, je suis allé en Palestine, je suis allé en Turquie, spécialement dans les zones d'Anatolie, et puis autour de Constantinople. Et ainsi, j'ai pu lentement commencer à identifier une partie des pollens. Je voudrais parler de la distribution géographique des plantes et de leur écologique. Ici, la Scabiosa prolifera, où vous voyez toute une gamme d'agrandissements toujours plus nous donne des détails sur une vie aux collines autour de Jérusalem. Et le Haplovillum tuberculatum est une plante des déserts. Et ça, c'est très important. Le suaire a été en France et en Italie. Il n'y a pas de désert là. Ça nous prouve que pendant une période de son existence, le linceul est au Proche-Orient, là où ces plantes sont indigènes. Et permettez-moi maintenant de résumer les résultats de mes recherches. J'ai trouvé un grand nombre de plantes de la Palestine, plantes du désert, plantes des collines et un nombre de plantes des régions méditerranéennes en si grand nombre que ça prouve que le linceul, pendant son passé, a été une fois dans le Proche-Orient. La preuve était faite que le linceul de Turin avait bien séjourné dans la région de Jérusalem. Et sur la lancée de ces découvertes considérables, 33 savants américains ont constitué le stade but, l'examen direct du linceul. Et d'abord, ce groupe a travaillé sur les photos du linceul. Et deux membres du groupe, deux experts de l'US Air Force ont, avant même 1978, réussi une découverte qu'on peut bien dire essentielle. Nous allons vous montrer l'une des plus importantes. Nous aimerions aussi vous expliquer comment elle fonctionne. Nous avons placé deux filtres de densité différents sous la caméra de télévision que vous voyez. En mettant la caméra en marche, on voit apparaître les filtres sur le récepteur de contrôle. Bien sûr, vous distinguez deux carrés d'ombre plus ou moins sombres. Le signal télévisé est traité par un analyseur d'image VP8, capable de retransmettre l'image à différents degrés sur cet écran. Maintenant, observez ce qui se passe si j'accentue ce relief. Comme vous le voyez, l'intensité du relief varie en fonction de la quantité d'ombre ici. Je peux aussi faire pivoter l'image et l'étudier sous des angles différents. Avant de placer une photo du suaire sous la caméra, permettez-moi de vous montrer quelque chose. J'ai là une photo de moi en uniforme qui ferait sans doute l'orgueil de ma mère. Je vais la mettre sous la caméra.
John est en train de régler la caméra pour obtenir une image de la même intensité que les carrés. Ma mère aurait du mal à me reconnaître, n'est-ce pas? La raison en est simple. Une photo ordinaire n'enregistre que les variations de lumière sans tenir compte de la distance entre le sujet et l'appareil. Nous allons placer maintenant une photo du suaire sous la caméra. Comme vous pouvez le constater, contrairement à la photo d'Eric, celle-ci est parfaitement reconnaissable. Ceci ne s'explique que par l'existence d'une corrélation entre l'intensité du relief sur l'empreinte du suaire et la distance. Pour dire le vrai, l'idée de la tridimensionnalité était antérieure aux recherches de Jumper et Jackson. Déjà en France, Antoine Legrand l'avait réalisée. Précédant les images tridimensionnelles que Jackson et Jumper obtiendront grâce aux ordinateurs de la NASA, à ma demande, mon ami Paul Gatineau réalisa en 1974, d'après cette image, le premier relief tridimensionnel de la face du Christ. Dans l'appareil de Gatineau, un rayon lumineux explore une photographie du linceul. Le reflet de ce rayon est capté par une cellule photoélectrique qui commande le mouvement d'un stylet creusant plus ou moins profondément une surface lisse proportionnellement aux valeurs sombres ou claires de l'image. Une empreinte par simple contact ne donnerait qu'une image bidimensionnelle et non tridimensionnelle, comme c'est le cas ici. Et, à propos de cette tridimensionnalité, les Italiens eux-mêmes étaient parvenus à des résultats non négligeables. L'étape suivante fut la réunion historique d'octobre 1978, les examens, les prélèvements. Et les savants américains, revenus dans leur pays, allaient travailler pendant 3 ans. 3 ans. 3 années pendant lesquelles nous nous interrogeons, il y avait de temps en temps des indiscrétions, c'était regrettable. Mais il a fallu attendre le mois d'octobre 1981 pour que, à New London, États-Unis, le STIRP livre publiquement les résultats de son enquête. Avant toute chose, le STIRP se proposait de savoir s'il y avait vraiment du sang sur le suaire de Turin. Beaucoup prétendaient que ces taches étaient artificielles, ajoutées plus tard pour faire mieux. Test du sang. Nous avons essayé plusieurs preuves pour établir s'il y avait du sang dans les linceuls. La réponse a été positive. Aussi, nous avons repéré des globulines humaines. Voici une préparation microscopique examinée à la lumière UV, avec une bonne réponse de fluorescence qui démontre la présence de globulines humaines. Mais ce que plus étonne est que nous avons trouvé dans les linceuls encore des globules rouges encore conservés selon leur morphologie propre. Restait l'autre problème. Ce ne sont pas du sang, ces images jaunâtre, brunâtre. Comment s'était-elle formée? On était déjà en présence d'hypothèses, celle de Paul Vignon, qui croyait qu'il y avait eu réaction entre l'aloès
que contenait le linceul et la sueur du corps. Il y avait l'hypothèse de penser, lui, à des images analogues à celles que conservent les herbiers. L'hypothèse d'Antoine Legrand sur la sueur. Le problème de l'empreinte a beaucoup intrigué les gens et quantité d'hypothèses, plus ou moins fantaisistes, ont été émises, notamment la fulguration. Eh bien, très sincèrement, je pense que l'on peut l'expliquer d'une façon beaucoup plus simple et naturelle par la déshydratation. Chacun sait qu'un corps, un cadavre, se déshydrate après la mort, jusqu'au moment de la décomposition. Eh bien, cette humidité émise par le corps est de même nature chimique que la sueur. Or, en mettant de la sueur sur un linge de lin non préparé chimiquement, par exemple, j'ai pris ce tissu que vous voyez là, je l'avais posé sur mon front en étant en transpiration, puis on ne voyait plus rien. Et ce n'est qu'au bout de 3 ans, donc il y avait là une image latente, que la cellulose du lin a été attaquée et a produit un brunissement qui est comme coloration et comme intensité, de même coloration et de même intensité que le linceul. Et il est très vraisemblable que c'est cette humidité émise par le corps qui a ramolli le sang et qui lui a permis de se reporter. Le Sturp, lui, va d'abord chercher à répondre à la vieille, éternelle question: s'agit-il d'un faux? S'il s'agit d'un faux, il s'agit de peinture ou de teinture. Le Sturp répond catégoriquement: ni peinture, ni teinture, aucune composante chimique sur le suaire qui évoque une teinture ou une peinture. Tous les examens faits, radio, photo, examens directs, montre qu'il n'y a pas de directionnalité, c'est-à-dire trace de trait qu'aurait utilisé fatalement un peintre et un faussaire. Et enfin, la tridimensionnalité contredit parfaitement cette hypothèse d'une peinture ou d'une teinture. Là-dessus, la réponse est absolue, catégorique. Mais comment se sont formées ces empreintes? Et là, le Sturp reconnaît qu'il n'a pas découvert les raisons de la formation de ces empreintes. L'étude du sang est pour moi beaucoup plus importante que la question de l'empreinte. Et elle a l'avantage d'être accessible à tous. Le sang que j'ai vu et touché sur le linceul permet-il de conforter ou d'infirmer la foi des croyants basée sur l'Évangile? Mon rôle est uniquement d'exposer des faits vérifiables par tous. Et c'est à chacun qu'il appartiendra de conclure. Tout le monde sait que du sang trop frais s'étale dans le tissu. Trop sec, il ne s'y reporte pas. Sur le linceul, les contours des caillots de sang sont d'une précision telle qu'il a fallu que le sang soit à l'état poisseux, d'une densité de gelée de groseille, quand le contact a cessé. Avant, sang trop sec, pas de report, après, ça s'étale. Mais il est absolument impossible de détacher une étoffe d'un corps quand le sang est à cet état poisseux, sans que la fibrine ne fasse des filaments qui feraient des arrachements, des bavochures qui viendraient perturber l'empreinte. Or, sur le linceul, il n'y a aucun de ces accidents-là. Alors, comment le corps a-t-il été sorti? À cette question, savoir comment il a cessé d'être dans le linceul, aucune réponse scientifique. Ce qui avait fait croire Jean à la résurrection de son maître, lui qui avait assisté à l'ensevelissement, c'est le fait que les linges étaient retombés, le linceul et les bandelettes, laissant la mantenière enroulée à sa place prisonnière à l'intérieur. Pour lui, ce n'est pas une vision qui l'a fait croire, c'est cette pièce à conviction
qu'était le linceul. Personne n'avait pu enlever le corps de son maître. Alors, une conclusion s'est imposée à lui. Le corps s'était résorbé pour devenir immatériel. Alors, je crois que le moment est venu de faire le point. Résumons-nous. Des images qui ne sont pas créées de la main de l'homme, qui n'ont pas été peintes, qui n'ont pas été teintes, mais dont on ne sait pas comment elles se sont formées. Des tâches qui représentent tous les épisodes de la passion du crucifié. Et ces tâches sont des tâches de sang. Un tissu qui contient des fibres de coton et qui prouve par conséquent que ce tissu a été fabriqué au Proche-Orient. Un tissu sur lequel on a prélevé des pollens qui proviennent de plantes ayant poussé dans la région de Jérusalem, ayant poussé en Turquie où est passé le suaire, ayant poussé en Italie où a séjourné le suaire, l'itinéraire démontré. Le suaire qui est à Turin a ainsi voyagé. Tridimensionnalité enfin, qui démontre que le suaire a enveloppé un objet à trois dimensions. C'est beaucoup. C'est énorme. Les savants du STURP sont allés plus loin. Ils ont interrogé les ordinateurs. Ils lui ont fourni toutes les informations que je viens d'énumérer, beaucoup d'autres, vous pensez bien, et ils lui ont posé la question suivante. Combien de chances y a-t-il que le crucifié qu'a renfermé le suaire de Turin soit quelqu'un d'autre que Jésus de Nazareth? Réponse d'un premier ordinateur, une chance sur 82 millions. Réponse d'un second ordinateur, une chance sur 10 puissance 26 zéros. De quoi donner le vertige, non? Alors il reste une dernière question. Une question ultime. Et je dis franchement que là, les savants, les historiens doivent se taire, tout simplement. Mais il faut la poser, cette question. Comment ce cadavre a-t-il été retiré du suaire? Cette pièce de tissu recouvrait le corps d'un mort, constellé de blessures qui avaient saigné et qui logiquement étaient collées à ce tissu. Quand on ôte un tissu d'une blessure, on brouille les empreintes de cette blessure. Et quant aux taches de sueur, si c'est de la sueur, on les brouille également, et davantage encore. Alors ici, les empreintes du corps sont parfaitement nettes, et les taches de sang sont intactes.